Shalom, bonjour. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour, 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 bonjour. Dieu vous bénisse. Soyez bénis. L'esprit supérieur. Nous sommes au 32e jour. Dans juste 3 minutes, nous commençons. Bonjour, 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 bonjour. Le temps que les autres se connaissent rapidement, dans 2 minutes, nous commençons. Bonjour, 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 bonjour. Dieu vous bénisse. Sa grâce vous soit multipliée. Au nom de Jésus. Alors, nous allons commencer aujourd'hui un peu tôt. Voilà. L'esprit supérieur. Le code de l'échec répété. Déjà, dans la vidéo d'hier, nous avons parlé de l'esprit supérieur selon le livre de Daniel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit supérieur manifesté par le prophète Élie et comprendre comment est-ce que l'esprit supérieur peut nous amener à sortir des tourbillons de l'échec. Combien de personnes considèrent l'échec comme une fatalité, une porte de sortie, une porte de mort subite,
une porte de ruine et de destruction. Mais si nous poussons notre lecture approfondie des choses de l'esprit, nous pouvons nous rendre compte que derrière l'échec se trouve certainement une gloire cachée. Comment réussir à transformer l'échec en réussite totale? Bonjour, Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo pour bénir quelqu'un. Aujourd'hui, nous parlons de l'esprit d'échec, dédié l'échec, l'esprit supérieur transporté par Élie. Jésus a dit que avant son retour, l'esprit d'Élie précédera encore. Et c'est cet esprit-là qui ramena le cœur des pères vers les fils, le cœur des mères vers les fils. Et si cela a été annoncé, on n'a pas dit l'Esprit de Dieu, on a dit l'Esprit d'Élie. Quand Élie a marché avec Élisée, Élie a jeté le manteau sur Élisée et Élie a dit à Élisée, « N'oublie pas ce que j'ai fait pour toi. » Il n'a pas dit, n'oublie pas ce que le Seigneur a fait pour toi. Il dit, n'oublie pas ce que j'ai fait pour toi. Quand Élie traversait le Jourdain pour l'enlèvement, la Bible dit qu'il a demandé à Élisée, que veux-tu que je fasse pour toi? Élisée a répondu, je veux la double portion de ton esprit. Il n'a pas dit, je veux la double portion de l'Esprit de Dieu. Il dit, de ton esprit. Le jour de la Pentecôte, dans le livre de Actes 2, quand les langues de feu se sont posées sur la tête des 120 qui étaient dans la chambre haute, la Bible dit, sur chaque tête, il y avait une langue de feu. Quand les langues de feu sont posées sur les têtes et qui sont rentrées dans le livre de Actes 3, Pierre, qui a vu le paralytique à la porte du temple, a dit, « Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi. Ce que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche. » Et il s'est levé. Le paralytique s'est levé automatiquement. Donc, si Élie a dit, n'oublie pas ce que j'ai fait pour toi, et qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, et si tu me vois, il n'a pas dit si tu vois le Seigneur, il n'a pas dit si tu as tes regards vers le Seigneur, il dit si tu me vois, ce que tu demandes t'arrivera. Une autre parole qu'Élie a dit, la Bible dit, que Élie est un homme de la même nature que nous, il pria avec instance et il ordonna qu'il ne pleuva point sur Israël pendant 3 ans et demi. Et il a dit, sinon à ma parole, il n'a pas dit sinon à la parole du Seigneur, il dit, sinon à ma parole. Et cela fut ainsi. Donc c'est ce même Élie qui revient maintenant. Et on dit, dans les derniers temps, avant la venue de Jésus, l'esprit d'Élie reviendra encore sur la terre. Et c'est cet esprit-là qui va préparer l'église pour l'avènement du Christ. Donc, quand on parle de l'esprit d'Élie, on parle de l'esprit supérieur. C'est pourquoi hier, quand j'ai expliqué Daniel, on dit, il y avait en lui l'esprit supérieur. Et on trouvait chez lui des lumières. Donc, quand quelqu'un transporte un esprit supérieur, bien la personne travaille pour le Seigneur,
est un instrument entre les mains de Dieu, mais le langage de la personne est un autre langage. La personne devient le représentant ou bien la représentante légitime de Dieu dans sa génération, dans son pays, dans sa famille. Et la personne parle le langage de Dieu. Ce n'est plus une personne qui demande quelque chose qu'elle n'a pas, mais c'est une personne qui donne quelque chose qu'elle a. Donc l'expression d'une personne habitée par l'esprit supérieur, son langage est différent. Et dans ces derniers temps, nous avons besoin de l'esprit supérieur pour transformer les échecs en réussite. Nous avons besoin d'avoir l'esprit supérieur pour ouvrir des portes après l'échec. Donc, pourquoi Élie a pu arrêter la pluie pendant 7 ans? Et le même Élie est revenu, il a prié encore. Élie pendant 3 ans et demi, s'il vous plaît. Il a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. Et le même Élie vient prier encore pour qu'il pleuvât. 1 Roi 18, le verset 1. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. La première fois que Élie a déclaré qu'il ne devait pas pleuvoir, c'est Élie qui a constaté la méchanceté, l'idolâtrie, et en tant qu'homme de Dieu, il déclare qu'il ne va point pleuvoir. Pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Mais la deuxième fois qu'il devait pleuvoir, c'est la parole de l'Éternel qui s'adressa à Élie. Donc ça veut dire, Dieu s'est approprié la parole d'Élie. Dieu s'est approprié le décret d'Élie. Dieu a fait de sa propriété ce qui est sorti de la bouche d'Élie. Et c'est pourquoi Dieu va retourner Élie encore pour dire cette fois-ci, va prier et il y aura la pluie. Ce qui veut dire que quand quelqu'un transporte l'esprit supérieur, sa parole devient la parole de Dieu. C'est ce qu'il peut faire que des hommes saints comme Paul, remplis de l'esprit de Dieu, va dire, donner des instructions. Et aujourd'hui, ces instructions, nous les utilisons comme la parole de Dieu. N'oublie pas que la Bible dit, toute parole inspirée de Dieu est utile pour éduquer, pour former et pour instruire. Toute parole inspirée de Dieu. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, Paul, dans certaines lettres, a dit, « Moi, Paul, j'ai dit. » Et il a écrit les lettres. Ce que Paul a dit aujourd'hui est devenu des doctrines pour d'autres églises. Donc, l'Esprit supérieur te donne de représenter légalement, valablement, le Dieu des cieux sur la terre et la parole qui sort de la bouche d'un homme qui transporte l'Esprit de Dieu est une parole qui amène le sceau, le règne de Dieu sur la terre. Beaucoup peuvent prier et demander à Dieu de faire des choses, mais on ne trouve pas beaucoup de personnes qui sont capables d'amener le règne de Dieu sur la terre, dans leur génération, dans leur famille. Beaucoup subissent l'influence du monde,
l'influence des saisons, mais beaucoup n'arrivent pas à comprendre qu'ils peuvent faire subir des échecs au monde des ténèbres, que leur parole transportant l'esprit supérieur est aussi puissante pour arrêter une pluie ou bien pour faire venir la pluie. Pourquoi Dieu n'a pas passé outre Élie pour aller dire à un autre prophète de parler? Parce que c'est la parole d'Élie qui a arrêté la pluie. Il faut la parole d'Élie pour délier la pluie. Donc, comme Dieu dit, je vous ai donné les clés du royaume. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous allez délier sera délié. C'est quel esprit tu transportes? Beaucoup parlent du Saint-Esprit sans connaître le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement les agitations ou bien les chutes à l'église dans les croisades pour dire que la puissance de Dieu est tombée sur moi. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est aussi les hommes qui ont la capacité de parler à la création, de parler à la créature, de parler au vent, de parler aux saisons, de parler aux entités et de se tenir devant certaines autorités pour défier tous ceux qui voudront prendre la place de Dieu dans le phénomène des hommes et des siècles dans lesquels nous sommes. Donc, si tu n'as pas l'esprit supérieur, c'est sûr que Dieu ne t'enverra pas devant un roi. Donc, tous ceux qui transportent l'esprit supérieur se retrouvent toujours devant les rois, parce que seul l'esprit supérieur peut parler à un roi. C'est pourquoi Paul a plus parlé au roi que tous les autres disciples. Paul a plus parlé à tous les rois que les autres disciples, parce que Paul transportait l'esprit supérieur. Quand bien Pierre a prêché le rue, il a prêché devant 3 000 personnes, c'était devant les rois, parce que Pierre avait cette chose. C'est pourquoi il a dit, ce que j'ai, je te donne. Donc, toute personne qui transporte l'esprit supérieur devient un messager toujours auprès des rois. Donc, dès que tu as l'esprit supérieur, le monde des personnalités, le monde des autorités a besoin de ton message. Qui n'a pas l'esprit supérieur ne peut pas parler aux personnalités, aux autorités. C'est pourquoi il y a ceux qui mendient chez les autorités, il y a ceux qui font qui sont devenus comme des coursiers pour les autorités, qui sont devenus les porteurs, les coureurs pour les autorités. Et il y a ceux qui sont des messagers pour les autorités. Ne les confondez pas. Une personne peut avoir le contact d'une autorité, d'une personnalité, et la personne sert l'autorité pour affirmer son pouvoir ou bien pour obtenir quelque chose et puis pour la faire partie des éléments de l'autorité. Donc, c'est l'autorité qui l'utilise. Ça, c'est différent. Il y a des hommes de Dieu que c'est les autorités qui les utilisent pour atteindre leurs objectifs. Ça, c'est différent. Je ne parle pas de ceux-là. Ceux qui ont l'esprit supérieur, c'est ceux qui ont des messages pour des autorités. Les autorités s'inclinent pour écouter. On dit que c'est un homme de Dieu qui a parlé. Qui sont capables de détecter ce qui doit arriver. Et le dire, que ce soit bon ou mauvais, le dire. Et amener l'autorité à fléchir devant. Seul l'esprit supérieur peut le faire. Et si tu n'as pas l'esprit supérieur, tu ne peux pas le faire. C'est ce qui fait que dans ces derniers temps, nous sommes plus confinés dans nos églises que vraiment nous faire écouter nos voix par les personnalités, les autorités. Ils n'écoutent pas nos voix parce que nous avons l'onction pour faire des miracles. Nous avons l'onction pour faire des croisades. Nous avons l'onction pour construire des grands temples. Mais nous n'avons pas l'esprit supérieur pour parler au roi. Celui qui n'a pas l'esprit supérieur ne peut pas parler au roi. Tous ceux qui ont eu l'esprit supérieur ont parlé au roi. Daniel a parlé au roi. Joseph a parlé au roi. David a chanté pour le roi.
voyez, Élie s'est adressé au roi. Samuel a fait les rois. Tous ceux qui transportent l'esprit supérieur traitent avec les autorités, les rois. Donc, quand il retourne pour aller provoquer la pluie, que Dieu lui demande, il se trouve que il a un combat qu'il a mené, vous connaissez déjà toute cette histoire. Mais ce qui me plaît ici, que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est le code qui est dans l'échec répété. Le code qu'on trouve dans l'échec répété. 1 Roi 18, versets 41 à 46. 1 Roi 18, le verset 41 à 46. Je vous montre maintenant. Et Élie dit à Acab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Acab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regardait et dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois, retourne. Ici, on nous dit que Élie va dire à Acab, il va pleuvoir. Mais dans 1 Roi 18, verset 1 au 21, vous allez découvrir que avant que Élie ne dise à Acab de monter et qu'il allait pleuvoir, Élie a tué d'abord les faux prophètes de Baal. Il a défié les faux prophètes de Baal. Il les a tués. Il les a confondus. Il a posé un autre autel. Et il a dit, le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Il a posé l'autel de l'eau. Et le feu est descendu dans l'eau. C'est après ça que Élie va prier pour qu'il pleuve. Ce qui veut dire que Élie n'a pas fait venir la pluie juste pour montrer qu'il est un puissant prophète. Élie n'a pas fait venir la pluie pour démontrer qu'il est un puissant homme de Dieu. Élie a fait venir la pluie pour montrer au peuple d'Israël que Dieu est le vrai Dieu. C'est là que se trouve une des clés. L'une des clés, c'est que notre génération était une génération pourrie qui voudrait des gloires personnelles pour se donner une valeur dans les manifestations divines. Donc, un homme de Dieu, il fait des exploits et dit, ça c'est moi. Donc, on voit, on a plutôt dans les générations passées, parce que la génération qui vient maintenant va changer. Vous allez voir de vous-même, constater de vous-même ce qui va se passer. La génération passée, les gens avaient leur regard sur les grands hommes de Dieu, mais ils n'avaient pas leur regard sur un grand Dieu. Les gens avaient leur regard sur des grandes églises, ils n'avaient pas leur regard sur des grands dieux. Élie, qui transportait l'esprit supérieur, bien qu'il peut dire à ma parole, il savait qu'il ne parlait pas pour lui-même. Il parlait pour le royaume. Ce qu'il imposait était le royaume de Dieu. Ce n'était pas développer son ministère pour prouver que Dieu l'a béni avec un grand ministère. Non. Il voulait laisser l'impact d'un grand Dieu. Vous voyez? Quand tu transportes un grand Dieu, on ne te voit pas trop. C'est ce que ce Dieu fait qu'on voit. Mais quand tu utilises un grand Dieu, tes œuvres, c'est ce que tu démontres pour voir que Dieu est avec toi. Si vous voulez faire des exploits,
Fais des exploits au nom de Dieu. Fais des exploits pour Dieu. Et soyez, restez derrière vos exploits. Ne vous appropriez pas des exploits. Élie a s'est arrangé pour tuer d'abord les prophètes de Baal. Il a lancé un défi. L'esprit supérieur est un esprit de défi. Lisez bien votre Bible. Joseph a défié Goliath. Vous voyez? Il a terrassé Goliath. Moïse a défié Pharaon pour laisser passer le peuple d'Israël. Vous voyez? Si vous prenez le cas de Josué, Josué a défié les esprits méchants qui étaient à Canaan. Josué et Caleb. La Bible dit, ils ont été animés d'un autre esprit. Il dit, nous irons. Quelle que soit votre taille, nous allons vous avoir. Donc l'esprit supérieur est un esprit qui t'amène à défier soit un système, une entité, ou bien quelque chose qui s'est enraciné, qui domine à la place de Dieu qui doit dominer. C'est pourquoi, quand vous ne comprenez pas bien une personne qui transporte un esprit supérieur, on dira, mais attends, on a trouvé ça comme ça, ça a toujours été comme ça, c'est toi qui veux venir changer ça maintenant. Non, parce qu'il se trouve quelque part que l'esprit d'Élie vient dire non, vous n'allez pas continuer dans l'idolâtrie. Vous n'allez pas continuer dans vos abominations. Vous n'allez pas continuer à salir le nom de Dieu. Vous n'allez pas continuer à faire comme si Dieu n'existait pas. Non. Il y a un homme dans la génération qui prouve encore que Dieu existe. Donc, l'esprit d'Élie défie. Donc, toute personne qui a un esprit supérieur, c'est une personne qui n'accepte pas les choses qu'elles soient comme. À beaucoup de personnes, on veut imposer les choses. On dit non, c'est comme ça. Il faut prendre ça comme ça. Il faut accepter ça comme ça. L'esprit d'Élie dira non. Dieu ne peut pas accepter ça. C'est de l'idolâtrie. C'est de ça, ça n'honore pas Dieu. Amen. Donc, il a refusé. Quand il a fini de les tuer, il a posé l'autel. Donc, vous voyez, le prophète, sa parole n'est pas basée sur sa personne. Sa parole est basée sur le sacrifice qu'il donne à son Dieu. Donc un prophète qui n'amène pas une vie de sacrifice, qui n'amène pas une vie de sacrifice et qui mène une vie d'intérêt n'est pas un vrai prophète. Parce qu'un vrai prophète ou bien un vrai porteur de l'esprit d'Élie, ou bien l'esprit supérieur, est quelqu'un qui vit une vie de sacrifice. C'est clair. Si tu n'as pas une vie de sacrifice, tu ne peux pas transporter l'esprit supérieur. L'esprit supérieur, c'est celui qui se sacrifie pour les autres. Quand je prends le cas, par exemple, de Martin Luther King Jr., il savait que ce qu'il avait commencé là, on allait le tuer. Mais au moins, il dit, je veux passer mon temps pour une cause noble. Il a parlé, et même à la veille de sa mort, il a prêché sa mort. Il a dit, je sais que peut-être que c'est mon dernier message, mais c'était important en son temps. Mais il a libéré toute une génération. Il a libéré toute une génération parce qu'il avait un esprit de sacrifice qui fait qu'il ne s'arrêtait pas. Une personne qui pense trop à elle, une personne qui se dit « qu'est-ce que je gagne ? Où est mon intérêt ?» Cette personne ne transporte pas l'esprit supérieur. Une personne qui transporte l'esprit supérieur est une personne qui voit toujours l'intérêt des autres, qui défend toujours les autres, qui se bat toujours pour une cause noble, qui n'accepte pas l'injustice, qui n'accepte pas la méchanceté, qui ne veut pas que laisser le méchant toujours régner. Ça, c'est l'esprit supérieur.
Élie dit, je ne laisserai pas le méchant régner. Et c'est Akab. N'oubliez pas que Akab a pour femme Jézabel. Pourquoi Jézabel ne fait pas pleuvoir, malgré tous les faux prophètes qu'il a, 400 et quelques. Je vous dis ici, vous qui pensez que c'est parce qu'il y a beaucoup de prophètes qui vont avoir des miracles, il peut y avoir beaucoup de prophètes. Si ces prophètes ne sont pas animés par l'Esprit de Dieu, ils vont s'agiter toute la journée, tout le temps, toute la saison. Aucun signe de pluie. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a beaucoup de prophètes partout. Au temps d'Akab, il y avait beaucoup de faux prophètes. Les prophètes de Baal. Élie en a égorgé plus de 400. Ils étaient nombreux. Mais quand on leur a donné, ils se cisaillent, ils découpent dans leur chair. Ce sont les œuvres de la chair. Il faut fournir des efforts. Ils se tailladent. Il va pleuvoir, il va pleuvoir. Rien ne s'est passé. Donc quand vous avez autour de vous des prophètes qui font des efforts et puis il n'y a rien, ça veut dire que Dieu ne les a pas envoyés. Qui ne peut pas amener la pluie dans la saison, qui ne peut pas amener la parole de Dieu dans la ville, qui ne peut pas imposer la voix de Dieu et qui se cache quand les militaires sortent, qui fuient parce qu'il y a telle chose, qui ne peut pas arrêter le vent, qui ne peut pas arrêter la tempête, qui ne peut pas ordonner des choses, ça veut dire quelque part qu'ils doivent aller chercher l'Esprit supérieur. Élie avait l'Esprit supérieur. Et quand... Non, c'est Élisée qui avait l'Esprit supérieur. Et le roi de Syrie devait attaquer. Et son serviteur était inquiet. Est-ce que tu vois l'armée qui vient contre nous? Il dit à son serviteur, ne t'inquiète pas. Ceux qui sont pour nous sont plus que ceux qui sont contre nous. Et il dit, je vais prier pour que l'Éternel ouvre tes yeux, tu vas voir. Il a prié, l'Éternel a ouvert les yeux de son serviteur et il a vu une armée du ciel qui était plus nombreuse que l'armée syrienne qui venait attaquer. La Bible dit que l'homme de Dieu a prié, ils sont tombés dans un aveuglement et il les a attachés avec des cordes, toute l'armée, pour aller donner au roi. Le roi n'a pas eu à déployer une stratégie, mais le prophète, son ministère, a attrapé, a mis les autres en embuscade, en danger. Ce qui faisait la terreur d'Israël en son temps n'était pas son équipement militaire. C'était son équipement en homme de Dieu de qualité d'esprit supérieur. Si vous lisez la Bible, Dieu a toujours marché devant le peuple d'Israël avec puissance. Et il y avait des hommes de Dieu de qualité qui transportaient l'esprit supérieur, qui faisaient que les autres avaient peur du Dieu d'Israël parce qu'on disait, quelle que soit ton armée, quand tu rentres en guerre avec ceux-là, tu perds toujours la guerre. Donc l'esprit supérieur te donne la capacité d'amener un changement radical, de mettre la lumière là où il y a les ténèbres. Ce n'est pas de vivre dans les ténèbres et d'éclairer là où tu habites, non. D'éclairer là où tu es, non. Tu imposes la lumière dans ta génération. Tu chasses les ténèbres. Alléluia. Donc, Élie était un homme de cette dimension. Et Élie avait à traiter avec Akab, Jézabel, les faux prophètes. Maintenant, quand Élie, Akab a vu qu'Élie a égorgé les faux prophètes, Élie lui dit, bon, maintenant il va pleuvoir. Hein? Il va pleuvoir. Va manger, boire, il va pleuvoir. Voici comme un homme parle. Il n'a pas dit à Akab, viens prier avec moi. Il n'a pas dit à Akab, répands-toi. Il n'a pas dit à Akab, mets-toi à genoux, je vais prier, et puis peut-être Dieu va te pardonner. Il dit, Akab, il faut partir. Je sais ce qui toi va t'arriver. Mais pour l'instant, je viens de te prouver que mon Dieu est le vrai Dieu parce qu'il est descendu dans le feu. Le feu dans l'eau. Tu as déjà vu ça? On fait un sacrifice, on verse 6 seaux d'eau et on invoque le feu. Le feu est descendu dans l'eau. Il dit, bon, je vous ai dit que le Dieu qui répondra par le feu est le vrai Dieu. Donc, j'ai le vrai Dieu. Mais il ne suffit pas de vous dire que j'ai le vrai Dieu. Ça, c'est le signe. Mais je vais le prouver maintenant. En vous faisant venir la pluie. Élie va rentrer dans son ministère pour faire venir la pluie. Pas
pour prouver qu'il est un vrai homme de Dieu, qu'il est un grand serviteur de Dieu, mais prouver que Dieu est le vrai Dieu, pour amener tout le peuple à tourner son regard vers ce vrai Dieu. A dit à Acab et dit à Jézabel, vous n'avez toujours menti avec vos faux 400 prophètes qui ont fait des agitations dans toute cette ville et nous ont embrouillés matin, midi et soir avec beaucoup de choses. On n'a jamais rien vu, aucune transformation dans nos générations. On a continué de malédiction en malédiction. On a continué à vivre des choses qu'on ne comprenait pas. Élie dit, maintenant, là, ça doit changer. Le vrai Dieu va s'imposer. Et alors, quand il dit à Acab, toi, va manger comme tu fais d'habitude, il va pleuvoir. Il dit, j'entends un bruit. Quand il dit, il entend le bruit, est-ce que réellement, il y avait un bruit? C'est lui seul qui entendait le bruit. Acab n'entendait pas aussi le bruit. Mais c'est lui seul qui entendait le bruit. Un vrai prophète qui a l'esprit d'Élie, ou bien l'esprit supérieur, ne parle pas avec ses yeux, parce qu'il voit. Il annonce et la chose arrive. Il dit, j'entends un bruit. C'est lui seul qui entend ce bruit. Où il a tiré ça? L'esprit supérieur lui a donné d'interpréter via les signes. Je vous ai déjà dit ça dans Daniel. Donc, waouh. Verset 41, nous sommes au verset 41. Alors, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il annonce une pluie, il n'a pas eu de pluie pendant 3 ans et demi. Et il vient dire à Acab, descend, va manger parce qu'il y a une pluie qui arrive. Il va pleuvoir. Va manger, j'entends un bruit. Il n'y a pas plu pendant 3 ans et demi. Et Acab est nerveux. Il est fâché parce qu'il ne contrôle plus rien. Dans sa ville, les gens se mangeaient entre eux. Les gens prenaient leurs enfants pour cuire et manger. Donc la famine était devenue tellement grave que le roi ne se retrouvait pas. Donc, dit cette parole au roi, ça veut dire que si c'est échoué, c'est la tête d'Élie qu'on va couper. Vous pouvez comprendre jusqu'à quel niveau le ministère d'Élie était un ministère de risque et de défi. Est-ce que tu peux voir déjà quelqu'un qui n'est rien pour lui dire que tu seras le futur président? Ou bien tu seras le futur roi? Ou bien Dieu a dit que voici ça. Pour que la personne ne ressemble à rien. Ce n'est pas les histoires où les gens se battent eux-mêmes jusqu'à quand ils arrivent à la porte des présidentielles et puis on vient les soutenir pour dire non, Dieu dit que c'est toi qui vas gagner. Non. Fallait le voir avant qu'il ne commence à dire. C'est très important. Hey, Jesus. Il dit à son serviteur, monte. Regarde du côté de la mer. Il dit à son serviteur, monte. Donc, Élie monte sur le mont Carmel, au sommet du mont Carmel. Là où il a posé l'autel, c'est là-bas qu'il est monté. Là où il a fait le sacrifice, c'est là qu'il est monté pour chercher la pluie. Un prophète ne travaille jamais en dehors de l'autel. Il est resté là. Et maintenant, regardez. Écoutez bien, parce que je vais vous donner le code. Écoutez. Se penchant contre terre, Élie monte sur le mont Carmel, se penchant contre terre, et il regarda, et mit son visage entre ses genoux. Élie monte sur le mont Carmel, il se penche contre terre, et mit son visage entre ses genoux. Ce qui veut dire, 1, il monte sur l'autel, le lieu de l'autel, où Dieu a répondu, 1, il est monté. Quand tu ne montes pas en esprit, ne rentre pas en prière. Beaucoup ne savent pas que c'est la montée en esprit qui fait que tu fais une bonne prière. Il y a des gens, ils ne sont même pas à un niveau élevé de l'adoration qu'ils veulent faire certaines prières. C'est pourquoi tu peux dire les mêmes choses et ça ne donne pas les mêmes résultats. Parce que ton adoration n'est pas une puissante adoration. Avant qu'Élie ne parle, Élie venait de faire poser un acte. Bâtir un autel, invoquer un Dieu et Dieu a répondu dans le feu. Et c'est là qu'il rentre dans cette prière. Donc,
on ne fait pas certaines prières par agitation, par excitation, par courage, juste parce qu'on a lu un verset biblique. Et puis, là, Dieu a dit, il va le faire. Non, hein? Dieu le fait avec toi parce que tu l'as adoré. C'est ton niveau d'adoration. Est-ce que tu es monté dans l'adoration? Est-ce que tu sais ce que c'est que invoquer Dieu? Invoquer Dieu. L'invocation est différente de la prière. Quand vous priez, vous demandez. Quand vous invoquez, vous amenez Dieu à agir. Quand vous priez, vous demandez, Dieu peut faire, il peut ne pas faire. Mais quand vous invoquez Dieu, c'est que vous le connaissez. On ne peut pas invoquer un Dieu dont on ne connaît pas le nom. Donc quand tu invoques Dieu, tu l'invoques dans son nom, dans le nom qu'il incite. C'est ce que les gens du monde appellent incantation. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, nous appelons ça l'invocation. Donc quand il dit El Shaddai, tu parles du Dieu de la guerre. Alléluia. Du combat. Donc tu l'introduis dans un combat. Donc tu dois connaître les noms révélateurs des dimensions de Dieu. Donc ici, quand Élie veut prier, il rentre en invocation. Il sait de quoi il parle. Il n'est pas là pour dire, Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, comme tu es, il dit, je suis en train d'invoquer mon Dieu. La Bible dit que Samson avait été pressé par la soif quand il a pris une mâchoire d'âne qu'il a tué 3000 ou bien 1000 et quelques personnes. Fatigué, il était pressé par la soif et il devait mourir. Il était arrêté sur un rocher. La Bible dit que Samson invoqua l'Éternel. Et le rocher sur lequel il était arrêté, ce rocher l'a ouvert sa bouche. Il lui a donné de l'eau et il a étanché sa soif. Voici ce qu'est la puissance de l'invocation. Tu es en danger, tu te trouves en face d'une situation. Tu dois savoir quel est le Dieu que tu appelles. Il y a beaucoup qui ne connaissent même pas le Jésus qu'ils adorent là. Est-ce que c'est vrai? Quand on te dit aujourd'hui que ton Jésus est ce qu'il n'a pas crucifié, c'est vrai? Jésus là, il n'est pas ressuscité. Ah bon? Jésus là, ah bon? Parce que le monde va t'embrouiller parce que tu ne connais pas ton Dieu. Tu ne peux pas faire de l'adoration et ne pas savoir qui tu adores. Les païens là, quand ils vont adorer, là, quand ils veulent faire les incantations, ils ne font pas ils savent de quoi ils parlent. Ils savent quel esprit ils sont en train de convoquer. Donc, ici, Élie est rentré basé d'abord sur l'autel l'adoration. Je vous répète, si vous voulez gagner des batailles spirituelles, changez votre adoration. Montez en adoration. Augmentez votre capacité d'adorer Dieu. Si votre adoration est faible, vos prières, vos requêtes, vos invocations seront faibles. Vous ne verrez pas certains signes dans votre vie. C'est pourquoi on vous dira dans ces temps, vous n'avez pas le temps pour Dieu, vous n'avez pas le temps de prier, vous avez trop de choses à faire, vous êtes tellement occupé, vous n'avez pas une grande adoration. Vous n'avez pas un temps de sacrifice. Vous donnez peu à Dieu, vous invoquez peu votre Dieu, vous n'avez pas du temps, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire, vous n'avez rien bâti dans votre vie. Des gens même qui sont là aujourd'hui, toi tu es là, tu as construit il y a 10 maisons, tu n'as jamais offert un terrain ou bien une église à ton Dieu que tu adores. Pourtant, tu as 10 maisons. Toi aussi, tu dois t'asseoir à l'église. Tu dis, Éternel, protège-moi, garde-moi, garde mes enfants. C'est quel genre d'adoration? C'est quel genre d'adoration? Tu es capable de prendre les biens que tu as pour élever un homme, pour que l'homme soit gentil avec toi. Mais tu n'élèves pas ton Dieu avec ce qu'il t'a donné. Quand c'est pour donner à ton mari, bien à ta femme, là, tu sais donner la qualité. Quand c'est pour donner à Dieu, c'est là que tu dis, Dieu connaît. Il connaît mon cœur, il connaît que j'ai beaucoup de besoins. C'est l'adoration qui fait le prophète. Le prophète ne vient pas simplement s'appuyer sur, non, son adoration, sa vie de sacrifice, comment il se donne. C'est pourquoi Dieu s'est donné par son fils. Pour montrer que l'adoration, pour que le ciel tremble,
pour que le temple, le voile soit déchiré, pour sortir, pour diviser l'Ancien Testament, pour faire introduire l'humanité dans le Nouveau Testament, il a fallu que le sacrifice de Christ parle et que le voile soit déchiré. Ce qui nous séparait de Dieu est déchiré. Pourquoi? Sans sacrifice, il n'y a pas de manifestation. On a vu cette puissante manifestation parce qu'il y a eu le sacrifice. Donc avant de faire certaines prières, pose-toi la question, quel est ton sacrifice? Il y a des choses que Dieu ne fait pas dans ta vie juste parce que tu parles bien. C'est le sacrifice, le prix que tu payes à l'autel. Le sacrifice que tu fais en suivant à Dieu, en marchant avec Dieu. Donc, Élie va dire, il monte, regarde du côté de la mer. Il dit, monte. Il dit à son fils aussi, monte. Élie est monté. Son fils doit voir les signes. Donc, son fils doit voir les signes. Il dit, fils, monte aussi. Donc, s'il est monté, si son fils n'est pas monté, son fils ne verra pas les signes. Il l'introduit aussi dans la dimension. Mon fils, toi aussi, monte, sinon tu ne verras rien. Si tu restes dans la dimension de la chair des hommes, tu ne verras rien. Monte, monte pour voir. Le serviteur aussi, monte. Monte veut dire quoi? Quitte la dimension des hommes. Quitte le raisonnement humain. Monte en esprit. Rentre dans la dimension des choses que tu veux. Voilà, monte dans la dimension du bruit que j'ai annoncé. Monte dans la dimension de ce que j'ai dit, il va pleuvoir, qu'il y a un bruit. Toi aussi, commence à savoir qu'il va y avoir un bruit. Si tu ne rentres pas dans la dimension, tu ne comprendras pas. L'autre dimension va te ramener. Voici ce qui est arrivé à Pierre. Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau et Pierre veut marcher sur l'eau. Mais Pierre n'est pas monté dans la dimension de Jésus pour pouvoir marcher sur l'eau. Il comptait sur Jésus. Il regardait Jésus, il regardait Jésus, il regardait Jésus. Un temps donné, quand il a vu en bas, il a commencé à s'écrouler. Pourquoi? Il n'est pas monté. Quand tu n'es pas monté dans une dimension, tu ne verras pas les signes de la dimension. Il faut que maintenant tu commences à savoir que ne te satisfais pas du peu. Monte un peu là, monte un peu dans ta adoration, dans ta louange. Monte un peu dans la dimension là. Ne te contente pas de ce que tu as. Monte un peu. Ce que tu as déjà vu là, il peut y avoir plus que ça, mieux que ça. Monte un peu. Monte un peu. Tout ce que tu fais, monte, monte, monte. Il y a des signes que tu ne vois pas encore. Monte. Monte. Si tu priais une heure, prie 3 heures. Si tu priais 3 heures, prie 7 heures. Si, je ne sais pas quoi. Monte, 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 monte un peu. Il dit, monte, sinon tu ne verras pas. Le fils est monté. Quand il monte, il dit. Il dit, regarda, serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Il est monté, mais il n'a rien vu. Malgré qu'il est monté, il est rentré dans la première porte, rien vu. Il dit 7 fois, retourne. Donc, il monte et il redescend pour venir dire, je n'ai rien vu, dit, remonte. Retourne. Il dit, je n'ai rien vu. Élie lui dit encore, monte. Il monte, il revient. Je n'ai rien vu. C'est-à-dire que Élie est couché sur la terre. Sa tête à terre. Entre ses jambes. Élie n'a pas changé de position. Élie n'a pas changé de position. Vous voyez la puissance de la collaboration. Et quand je vous parlais du chiffre 2. Élie est un grand prophète, mais il n'a pas baissé sa tête pour aller regarder pour revenir baisser sa tête. Il a besoin d'un serviteur qui va voir pour lui. Tant que lui, il est baissé, la collaboration. Vous qui êtes les grands bishops, archibishops, archevêchés, vous êtes les grands prophètes interplanétaires, interdimensionnels, et puis vos enfants spirituels ne peuvent rien apporter pour vous. Là. La collaboration dans le ministère. Tu ne peux pas tout voir. Donc, il est resté. Première chose, il met son regard sur la terre. Je vous dis d'abord, pourquoi il met son regard sur la terre? Cette fois-ci, là, quand il devait pleuvoir, pour qu'il invoque Dieu, pour que Dieu réponde par le feu, il a soulevé la tête. Il a regardé au ciel. On a dit que le feu est descendu du ciel. Mais cette fois-ci, là, quand il veut prier, il baisse sa tête, il met sa tête sur la terre. Il tourne ses regards vers la terre. Pourquoi?
L'eau, c'est la terre qui souffre et qui a besoin d'eau. Donc maintenant, il s'exprime, il parle à la dimension, il parle maintenant au règne de la terre. Si le règne du ciel a répondu, il faut que le règne de la terre accepte la réponse du ciel. Et donc maintenant, Élie va traiter avec le règne de la terre. Élie tourne sa tête et il va traiter avec le règne de la terre. Le règne de la terre dit, terre, tu dois accepter cette pluie. Élie met sa tête entre ses genoux, une position d'accoucher la pluie. Donc, Dieu a annoncé la pluie, mais c'est le ministère d'Élie qui doit accoucher la pluie. Donc, si Élie ne rentre pas en travail dans la prière, connaître des formes de prière, cette pluie ne viendra pas. Dieu l'a annoncé par la bouche d'Élie, mais c'est à Élie, par son ministère, qui doit l'accoucher. Donc, par le travail de son ministère, la pluie va venir. Donc, il faut qu'Élie change de prière. Quand il priait pour tuer les prophètes Baal, il a fait une autre prière. Mais pour prier pour que la pluie vienne, c'est une autre prière. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, il y a prière et puis il y a prière. Il y a dimension et puis il y a dimension. Il y a prophète et puis il y a prophète. Ne mélangez pas les torchons. Non, il dit, là, je vais traiter avec la terre. N'oubliez pas, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas maudit l'homme, mais Dieu a maudit la terre. Tu veux très bien, c'est écrit dans votre Bible. Dieu n'a jamais maudit l'homme, mais Dieu a maudit la terre. Donc l'homme avait un travail à faire sur la terre. C'est pourquoi tout ce que tu fais sur la terre, tu vas souffrir avant de gagner. Donc quand Élie dit qu'il ne va pas pleuvoir, tout ce que vous lirez dans le ciel sera lié sur la terre. C'est ce que la Bible dit, n'oubliez pas. Donc c'est deux dimensions liées. Quand tu lis au ciel, ça se lit sur la terre. Donc si tu as délié au ciel et que tu n'as pas délié sur la terre, ça veut dire que tu es resté sans accomplissement. Ne te contente pas seulement parce que tu as eu le signe du ciel, mais le signe de la terre. Si vous savez, une fois, j'avais fait une prière pour une femme qui avait un problème d'accouchement. Après 16 ans de mariage, ils avaient des problèmes pour faire un enfant et Dieu leur a donné une grossesse. Quand la femme est tombée enceinte, la grossesse était risquée. Donc elle est venue avec son mari. Ah papa, la grossesse là, on ne comprend pas, c'est risqué, on dit qu'on va avorter, tout cela. Je dis ok. Le Seigneur m'a parlé. J'ai fait une prière. Une prière où j'ai attaché, j'ai dit cet enfant, j'ai dit tu restes là, tu ne bouges pas jusqu'à ce que ta vraie date arrive. Donc j'ai prié, j'ai lié. L'enfant est resté. Maintenant, la date de l'accouchement arrive. Le bébé dépasse la date de l'accouchement. 9 mois, on ne voit rien. 10 mois, on ne voit rien. Ça devient encore compliqué. Donc, la maman, on s'inquiétait encore. Et c'est là que le Saint-Esprit me dit, mais tu as oublié que tu as délié, mais tu as lié, mais tu n'as pas délié. Tu lui as dit de rester là-bas. Mais est-ce que tu as dit, il faut venir maintenant? Il faut le délier et puis il va venir. J'ai appelé les parents, j'ai prié encore, j'ai commandé, j'ai ordonné, j'ai délié. Quand j'ai délié, les jours qui ont suivi, l'enfant est venu. Vous voyez? Il ne suffit pas seulement de lier dans le monde de l'esprit, il faut délier sur la terre. Donc quand tu finis de délier quelque chose dans la dimension spirituelle, il faut aussi délier ça dans la dimension terrestre parce que tu vis sur la terre. C'est sur la terre là que cela va s'accomplir. Il y a beaucoup qui ont laissé leur miracle dans la dimension ciel et qui ne l'ont pas amené dans la dimension terre. Dans le règne ciel, ils n'ont pas amené dans le règne terre. Et ils sont là, ils disent, je ne comprends pas, pourtant j'ai vu des signes. Dieu m'a dit qu'il va m'exaucer, que cette année est mon année. Mais je n'ai rien vu, je ne comprends pas pourquoi. Dieu l'a dit, mais tu n'as pas travaillé pour ça, tu ne l'as pas accouché, tu ne l'as pas engendré dans la dimension terre. Donc, Élie savait ses principes qu'il ne suffit pas seulement qu'il ait le signe du ciel où le feu est venu. Il faut maintenant qu'il engendre cette pluie. Le bruit de ce qu'il a entendu doit l'engendrer. Et il change de prière. Il prend une position d'une femme qui accouche.
Il prend les positions d'une femme qui accouche. C'est pourquoi l'apôtre Paul vous a dit, je vous ai engendré dans les douleurs, c'est dans les douleurs que je vous ai engendré. Les églises que l'apôtre Paul a fait, les églises d'Éphèse et quoi, l'apôtre Paul n'a pas fait ça en bavardant, comptant sur des muscles, des murs, des marbres, des partenaires. Non, hein. L'apôtre Paul les a engendrés dans la souffrance, dans la prière, dans le combat spirituel. L'apôtre Paul a dit, j'ai vaincu la bête d'Éphèse. Maintenant, vous pouvez rentrer. Maintenant, vous pouvez faire des églises parce que je l'ai lié, la bête de l'Éphèse. Donc ici, quand il dit à son fils, quand il prend la position dans la dimension terre, il dit à son fils, toi, regarde du côté de la mer. Donc moi, je regarde la terre, toi, tu regardes du côté de la mer. Lui, il est à terme de s'attaquer à une dimension, mais il sait que dans la dimension terre, là, voici c'est le règne qui contrôle la terre. C'est le Léviathan, c'est le serpent ancien qui est dans la mer. C'est lui qui fait qu'il ne pleut pas. Il dit, bon, au moment où moi je suis en train de faire le travail, toi regarde, c'est de là que viendra le signe. Dans le monde spirituel, il ne faut pas prier parce qu'il faut prier. Il faut savoir prier. Et il faut connaître la prière. Donc, il dit, quand on dit la reine des côtes, c'est quoi? Lisez bien votre Bible. Quand on parle de la reine des côtes, c'est quoi? C'est la reine des côtes. C'est sur la mer. Quand on parle des deux pieds qui sont sur la mer et sur la terre, elle a un pied sur la mer et puis un pied sur la terre. Donc, elle possède une partie de la mer et possède une partie de la terre. Donc, il dit, la pluie, là. Il faut que j'arrive à vaincre cette bête et il va pleuvoir. Donc, si vous n'avez pas de prières pour vaincre les entités, les hommes forts de vos vies, de certaines choses, vous allez avoir des signes sans accomplissement. Donc, l'échec répété, il dit, monte. Il monte une fois. Il dit, redescend. Il redescend. Retourne encore. Il retourne. Redescend encore. Il redescend. Retourne, va voir encore. Dans les mêmes choses, il répète ça 7 fois. Pourquoi réussir pas cette fois? Il sait très bien, lui, prophète, qui avait parlé seulement à ma parole, et puis le ciel est bloqué pendant 3 ans et demi, ce n'est pas la même parole qu'il va donner. Pour délier maintenant, il rentre dans la dimension. Il faut répéter la même chose 7 fois. Il monte, il descend, il remonte, il descend. Va regarder, reviens. Va regarder, reviens. Va regarder, reviens. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Le même endroit plutôt. La même dimension dans laquelle le serviteur ne voyait pas. La 7e fois, il a vu. Vous-même posez-vous la question. Pourquoi Dieu a créé le ciel et a créé tout pendant 7 jours? Pourquoi Jacob a fait 7 ans pour se marier? Pourquoi le Pharaon a fait les 7 années de sécheresse et les 7 années d'abondance? Pourquoi posez-vous des questions? Je suis en train de travailler sur les 7 années. Mais vous allez voir qu'il savait une chose. Pour amener la pluie, là, il faut rentrer dans la dimension 7. Mais pour rentrer dans la dimension 7, il faut répéter la même chose plusieurs fois. Ce n'est pas parce que ça n'a rien donné que ça ne voudra rien donner plus tard. Donc, il dit, j'ai échoué, mais je le continue. J'ai échoué, je continue. J'ai échoué, je continue. Jusqu'à ce que j'atteigne la dimension où ça va se débloquer. On ne débloque pas une seule fois. Élie, il y a eu une histoire encore entre Élie et Acab, les deux là. Élie lui a dit, tu vas combattre tes ennemis, voici la flèche. Il faut taper. Il tape 1, 2, 3 fois et puis il s'arrête. Qui t'a dit de taper? Tape jusqu'à 7 fois. Au moins, tu auras vaincu tous tes ennemis. Tu t'es arrêté. Vous voyez? Tape. Donc, c'est un code. Si vous voulez sortir de certaines, faire de certains exploits, apprenez à pratiquer la prière à répétition. Je répète. Répétez la même chose. Continuez de faire ce qui paraît comme un échec. Jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Si tu es convaincu que Dieu t'a parlé, n'essaie pas une seule fois et puis t'arrêter.
Je sais de quoi je te parle. Si tu es convaincu que ça c'est pour toi, c'est pas parce que tu as échoué une fois que ça veut dire. Non, attends. Voici ce qui fait que les hommes d'espoir ne réussissent pas. Nous partons ensemble pour une chose. Je prends un cas. On arrive devant la porte, on avait les mêmes conditions, on nous a donné les mêmes conditions. Quand on arrive, il y a d'autres qui passent facilement et puis toi, tu ne passes pas. Et puis tu te poses la question, pourquoi moi, je ne passe pas? Pourtant, on avait les mêmes choses, on a fait les mêmes choses. Peut-être moi, mais je suis mieux placé pour toi. Mais tu vois ça comme un combat spirituel. Ce que tu n'as pas compris, c'est que les portes là, il y a des dimensions dans les portes. Donc l'autre peut avoir soit ses papiers, son mariage facilement, des trucs facilement, mais ce mariage n'a pas un espoir. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est une vie. Donc c'est pour. Donc c'est normal que ça lui arrive facilement. D'autres peuvent faire des enfants facilement. Ce n'est pas un problème. Mais celui qui ne fait pas l'enfant facilement, ça veut dire que ton enfant n'est pas n'importe quel enfant. Donc il faut taper dur. C'est pourquoi Anne partait pour chercher un enfant. Mais c'était un échec total. La Bible que Dieu a fermé ses entrailles. Lisez bien votre Bible. Dieu ferma les entrailles de Anne. Mais la Bible dit que Dieu a touché le cœur de son mari. Chaque fois qu'il montait pour les sacrifices, ils ont fait 7 années de sacrifices. Ils montaient, ils augmentaient leurs sacrifices. Chaque année, son mari lui donnait plus. Et elle augmentait ses sacrifices. Elle augmentait ses sacrifices. Quand c'est arrivé à la 7e porte, Anne allait devant Dieu. Elle a frappé sur le rocher. Elle l'a mis sur le rocher. Elle a prié. Elle a dit, si tu me donnes un enfant mâle, je te le donnerai. La dernière fois, je bénis Dieu pour un partenaire de prière qui m'a détecté quelque chose. Non, une partenaire de prière qui a détecté quelque chose. Il me dit, est-ce que tu sais que quand Anne est sortie de là, Anne a fait 5 enfants en même temps. Je n'avais jamais vu ça, effectivement. Anne a fait 5 enfants. 5 enfants. Quand elle a fini de donner Samuel, lisez bien votre Bible, à la suite, on a dit qu'elle a engendré. Elle a eu 5 enfants en même temps. Pourquoi? Un coup violent. Et qui est devenu Samuel? Samuel, juge, prophète, sacrificateur sur Israël. Samuel a engendré les 2 rois des dimensions d'Israël, Saoul et David. On dit aucune parole de Samuel n'est tombée. La terre sans être accomplie. Donc là où Pénina accouchait tous les jours facilement, chaque 2 mois elle accouche, chaque 6 mois elle accouche, chaque 1 an elle accouche là. Pour Anne, c'était difficile. Pourquoi? Anne devait monter en sacrifice. Anne devait augmenter son adoration. Dieu l'a fermée pour qu'elle augmente son adoration. Parce que l'enfant qui va sortir n'est pas n'importe quel enfant. Dieu a augmenté sa douleur pour qu'elle augmente, pour qu'elle frappe d'habitude. Elle est montée jusqu'à ce qu'elle arrive dans la dimension de maintenant, là, je ne suis plus d'enfer d'attendre Élie. Tu ne comprends pas ma douleur. Elle allait. Donc, vous voyez, il est important que tu saches une chose. Quand tu es convaincu d'une chose, que ça là, ça ressemble à échec, mais ce n'est pas échec. Je sens que la main de Dieu est quelque part. Dieu me pousse. Continue. Frappe. N'abandonnez pas là où Dieu vous a dit oui. Ne lâchez pas là où Dieu vous a dit oui. La terre où Dieu dit je t'ai donné, il t'a donné. C'est pas parce qu'on te fait des difficultés que tu vas dire, c'est comme ça, je vais retourner. Reste là, frappe. Quand Joseph est allé en Égypte, il n'a pas commencé à réussir en même temps. Il n'a pas commencé à réussir en même temps. Il n'est pas devenu premier ministre le même jour. Retourne. Si ça n'a pas marché cette année, retourne l'année prochaine. Si ça n'a pas monté, tu as monté, tu n'as rien vu, retourne encore. Tu n'as rien vu, retourne. Tu n'as rien vu, retourne. La 7e fois, tu verras quelque chose. Ton prophète est en train de vaincre la bête. Toi, tu es serviteur, il faut t'occuper de regarder seulement. Regarde dans la zone, dans la, on dit vers la mer, le signe viendra. Parce que le prophète, son travail, c'est de maîtriser la bête. De vaincre la bête. La reine des côtes, lui, doit les vaincre. La pluie doit venir. C'est pourquoi le partenariat dans le ministère est important. Avec qui tu pries, ça détermine combien d'espoirs vous allez faire. Il y a des gens,
Quelqu'un qui vient et qui regarde ta tête, il dit, non, j'ai fait une vision, j'ai vu que ta tante est tant, ton tonton est tant, ton papa est tant, ton numéro, ta tante, oui, et puis toi. Quand il finit ça, il s'en va là, il ronfle bien, il n'a rien, il n'a aucun travail spirituel qu'il fait à toi. En temps, il faut quelqu'un pour faire le travail spirituel pour que toi tu vois. Qui fait le travail spirituel pour que toi tu vois? Qui fait le travail pour toi? Qui est à genoux pour accoucher ton destin? Qui est à genoux pour te dire, serviteur, toi vois seulement. Annonce les choses. Mais moi, je fais le combat de la bête. Paul a vaincu la bête pour tout le monde. Dieu cherche des hommes capables de rentrer dans le code de l'échec répété et le décoder. L'échec répété veut dire, monte, descends, même si tu ne vois rien, monte, descends, jusqu'à ce que tu atteignes la septième dimension, elle va s'ouvrir. Je ne vous parle pas ici de la septième dimension. J'avais déjà expliqué ça une fois. Ceux qui ne connaissent pas, il y a une vidéo dessus. Monte, monte encore, descends, remonte, si tu n'as aucun signe, continue, frappe, jusqu'à la septième dimension, elle va s'ouvrir. Mais vous voyez, combien de personnes ont abandonné? Parce que tu essaies une fois, ça n'a pas marché, tu dis, ah, peut-être que Dieu ne veut pas. Parce que tu es rentré, tu n'as rien donné, non, peut-être que Dieu ne veut pas. Il faut monter, il faut frapper, il faut continuer. C'est pourquoi les chrétiens de ces derniers temps sont des chrétiens qui touchent à tout. Des chrétiens multiprises. Quand tu as une vie comme une vie de multiprise, là, tout le monde vient se connecter à toi. Chacun vient se connecter. On vient brancher. L'autre vient se brancher. L'autre vient se brancher. Tu es surchargé. Parce que tout se connecte. Tout vient rentrer. Non. Quand tu dois être spécialiste dans ton cas. Tu as une prise efficace. Quand quand c'est rentré, c'est que ça donne. Mais quand tu es à une fonction de multiprise, tu sais tout, tu fais 10 000 choses à la fois. Parce que l'échec te fait tellement peur que tu n'as pas pris l'engagement. Dans ça, je vais réussir. Je vous rends un témoignage sur l'échec répété. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, je suis ton employeur. Je veillerai sur toi. Et voici comment tu vas travailler pour moi. Mais j'ai fait une formation, une petite formation quand même de comptabilité et de gestion que je connaissais, qui pouvait me donner quand même. Et j'ai un de mes frères qui m'a connecté et puis on a eu un emploi. Mon premier emploi, je ne vais jamais oublier ça. C'était un très bon emploi. Et le vendredi, le lundi, je devais commencer. Le vendredi, je viens à l'église. Je servais déjà Dieu. Et je viens parce que je faisais toujours vendredi, samedi, dimanche en jeûne avant le culte. J'étais dans 3 jours de jeûne. Et c'est là que le Seigneur me parle. Il me dit, je suis ton employeur. Et je veillerai sur toi, je m'occuperai de toi. Quiconque te bénira sera béni. Et ce nom béni de Dieu va affecter, influencer, bénition pour des multitudes dans les nations. Frère, au moment où Dieu disait cela, moi je ne vivais pas la galère, mais moi-même j'ai ressemblé à la galère. Et je viens à l'église, je viens d'avoir un emploi. Quelqu'un, tu vois quelqu'un qui traverse la galère, qui ressemble à la galère, qui trouve un emploi. Alors, les éléments que j'entraînais la nuit pour prier, ils rentrent. Et puis, je vois une maman prophétesse qui vient. Voilà ce que Dieu dit pour toi. Galates 3, verset 3. Parce que j'étais résolu à faire ce travail. Il dit,
je suis avec toi. Après avoir commencé par l'esprit, vous allez terminer par la chair. Je t'ai appelé à travailler dans mon champ. L'or et l'argent m'appartiennent. Je m'occuperai de toi, j'ai dit. Et signe ce contrat avec moi. Donc, waouh, je ne vais jamais oublier ce dimanche. Jamais. J'avais un choix à faire. Entre le travail, le bon boulot, le grand bureau, la voiture, et choisir de faire un parcours dans le champ de Dieu. Le bureau est là, le travail est là. Mais Dieu dit, c'est moi qui t'emploie. Je rentre dans un temps de prière. Donc, je ne suis pas allé au rendez-vous de lundi. Je sais ce que ça m'a coûté, ce choix. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu, ce choix? Mais j'ai entendu une voix qui m'a dit, peut-être tu souffriras un an, deux ans. La troisième année, les choses vont commencer à démarrer. Et je bénis Dieu. C'est pourquoi, moi, on ne m'intimide pas dans ma marche chrétienne. Je sais ce que j'ai entendu. Ce n'est pas tout ce qu'on dit là que moi je prends. Je sais avec qui j'ai commencé, je sais ce que j'ai entendu. Donc il y a des enseignements qui ne me déforment pas. Il y a des témoignages qui ne font pas trembler mon cœur. Et moi j'ai vu Dieu dans ma vie. Oui, quand on dit Dieu est ton employeur, j'ai vu. Et Dieu a dit, je suis ton employeur. Donc imaginez si Dieu te paye. Et il a béni mes mains, afin que tout ce que je touche là, prospère. C'est pourquoi tous ceux qui me connaissent savent, on ne m'intimide pas. Moi, pour me dire que non, je ne vais plus te soutenir. Il y a plein qui ont essayé. Il faut leur demander. Ça ne marche pas. Il faut partir. Une fois que tu veux rentrer dans ce truc-là, c'est moi qui ai fait. C'est moi. Tu ne prends pas la place de Dieu dans ma vie. C'est à cause de moi. Je te zappe. Parce que j'ai un employeur. Je n'ai jamais prêché l'évangile quelque part. Demandez. Depuis que je prêche l'évangile. Pour dire à quelqu'un, donne-moi de l'argent. Jamais. Tu me donnes combien? On a cassé un contrat quand il est venu prêcher. Tu m'as donné, tu m'as donné, tu ne m'as pas donné aussi. Jamais. Parce que j'ai un employeur. C'est pourquoi je n'escroque pas les gens. Tu ne vas pas voir un fidèle qui est venu, il m'a dépouillé, il m'a volé. J'étais volé où? Ce que moi, j'essaie de dire aux gens, mettez votre argent dans l'œuvre de Dieu. Fais ça pour le Seigneur. Fais ça pour le Seigneur. Si tu as fait et puis tu as un problème, toi-même, il faut poser la question, quel est ton problème entre toi et Dieu? Parce que j'ai compris une chose. Si tu as entendu la voix de Dieu, et ça paraît difficile, continue. Frappe, ça va s'ouvrir. Ça paraissait difficile. J'ai persisté et insisté dans ce que Dieu m'a dit. Et toi, tu as vu comment? Un pasteur doit travailler. C'est vrai, j'ai eu ma formation, j'ai mes diplômes, mais Dieu m'a parlé. Toi, Dieu ne t'a pas parlé, ne fais pas comme moi. J'ai insisté dessus. Et je n'ai pas peur. Je sais qu'il y a des années d'exploit qui sont devant moi. L'échec répété. Tape. L'échec répété. À la fin, ça devient un sujet d'exploit. Le code de l'échec répété, c'est de retourner. Monte, remonte. Monte, remonte. La septième fois, elle va s'ouvrir. Le code refait la même chose
au moins 7 fois. Pourquoi Dieu a dit pardonner 7 fois 77 fois? Pourquoi? Est-ce que c'est le fruit d'un hasard? Il y a une perfection dedans. Le code. Une fois que Dieu t'a convaincu, prie. Si tu n'es pas sûr, prie jusqu'à ce que tu sois convaincu que ça là, Dieu est dedans. Quand Dieu est dedans, n'abandonne pas. Frappe, refrappe, tape. Ça va s'ouvrir. Ça finira par s'ouvrir. Les hommes qui ont l'esprit supérieur, ils n'abandonnent pas. Là où il y a le terrain d'espoir, il y a la menace. Des fois, là, on te brandit la mort. Des fois, on te brandit des chantages. J'en ai connu plein. Mais tu dois te dire, si c'est Dieu qui m'a mis ici, aucun homme ne peut m'enlever. Si c'est Dieu qui m'a envoyé, personne ne peut me chasser. Si c'est Dieu qui m'a béni, personne ne peut me maudire. Si c'est Dieu qui a dit oui, personne ne peut dire non. Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Je frapperai là où Dieu a dit de frapper. Je sais que ça paraît difficile, mais ça va s'ouvrir. Ça ressemble à malédiction, mais ce n'est pas une malédiction. Ça ressemble à un échec, mais ce n'est pas un échec, c'est un chemin de l'espoir. Je continue de frapper et je frapperai. Je sais qu'un jour, ça va s'ouvrir. Alors, un jour, j'ai une connaissance qui me dit, Béni, tu as combien d'argent dans ton compte? J'ai souri. Toutes ces choses que tu fais pour le Seigneur là, dis-moi, tu as des partenaires? Il y a des gens qui te subventionnent? Oui, j'ai dit oui. C'est normal. Mon partenaire, le premier partenaire, c'est le ciel. Je suis l'employeur de Dieu, donc c'est normal. Je suis l'employeur. J'ai dit l'employeur. Je suis l'employé de Dieu, pas l'employé. Dieu est mon employeur. C'est ce que je veux dire. C'est normal. Je suis un employé de Dieu. Tu as déjà vu l'employé de la plus grosse boîte au monde qui n'a pas le salaire du ministre d'un pays. S'il me donne de la promotion, il va augmenter mes budgets pour que je travaille pour lui. Je ne m'inquiète de rien. Où tu pleures, moi je ris. Parce que je sais une chose. J'ai jamais vu un ambassadeur qui a manqué de maison, qui a manqué de voiture, qui a manqué de nourriture. Un ambassadeur, l'État qui l'envoie pourvoit tout. J'ai jamais vu un ministre qui vivote. Ce qui n'a pas été envoyé, c'est lui-même qui a créé son cabinet. Mais si c'est un ministre nommé par un gouvernement, Dieu le traite comme un ministre. Donc je viens d'un royaume organisé, qui est le royaume de Dieu. S'il fait de moi un ministre de l'évangile, il s'occupe de moi comme un ministre. Donc, un ministre du monde ne va pas m'intimider avec son gros titre. Tu ne m'intimides pas. Tu ne m'intimides pas. Parce que le code de l'échec, c'est de rester et de faire, de continuer de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Ne copie pas les autres. Ne cherche pas à ressembler aux autres. Reste là où Dieu dit de rester. Fais ce que Dieu dit de faire. Continue de frapper dans ce qui paraît comme un échec. Ne cours pas. Les gens ne savent pas que la course dans la marche de Dieu est une course arrêtée. Yeah. Beaucoup ne savent pas. Marcher avec Dieu, ça paraît comme si tu avances, mais arrêté, tu es arrêté. Mais quand le temps de Dieu arrive, Dieu t'enlève. Oui, un enfant de Dieu, c'est l'élévation. Tu es dans un seul endroit, tu enfantes, vous voyez? C'est-à-dire que Dieu te prépare. Tu es arrêté sur place.
tu parais comme tu cours, tu mets le moteur, mais tu comprends pas, je n'avance pas. Depuis là, ça n'avance pas, ça ne réussit pas, je comprends pas. Tu es au seul endroit, mais tu fais quand même la course. Quand le moteur est chargé, surchauffé, et puis Dieu veut t'élever, on dit l'élévation vient de l'éternel. On n'a pas dit l'ajout. Dieu t'élève, bah, tu quittes. Quand tu pars, les gens sont assis, puis tu regardes. Hé, il a démarré, il a pris son envol. C'est parti. Tu as deux. Ne t'inquiète pas si à côté de toi, quelqu'un a 10 000. Tu as 300. Si Dieu est avec toi, c'est l'essentiel. Ne t'inquiète pas si l'autre a 100 000. Pour le moment, on ne te connaît même pas dans le quartier. Si l'autre a toute la terre connaît, ne t'inquiète pas. Fais ce que Dieu dit de faire. Un matin, quand Dieu va ouvrir le seau, quand il va ouvrir le ciel, quand le bruit va se faire entendre, tu vas voir. Et la Bible dit qu'il a dit, j'ai vu. J'ai vu un paire de nuages comme la paume de l'homme, la main de l'homme. Bien sûr, il a vu la main de l'homme, la main de Dieu. La même main qui écrit à Moïse. La main de Dieu est apparue dans le ciel. La main de l'Éternel viendra sur toi. La main de l'Éternel apparaîtra dans ton ciel. La main surnaturelle apparaîtra dans ton œuvre. Quand la main de Dieu rentre en action dans ta vie, c'est là que tu vois que Dieu travaille. Dieu bénit. Dieu élève. Dieu élève. Mais pour voir la main de Dieu, il faut prier. Il faut faire ce que Dieu dit de faire. Il faut répéter, continuer de répéter. Par exemple, ceux qui ne croient pas à la dîme, tu as payé une année et puis tu n'as rien vu. Ah, ça là, je ne comprends pas. Les gens disent, on dit la dîme. Deuxième année, tu ne vois rien. Ça veut dire que pour toi, là, Dieu est en train d'amasser ça, cumuler ça. Tous ceux qui font des espoirs, Dieu cumule l'onction, Dieu cumule le travail, Dieu cumule le temps et puis les envoie. Jésus a cumulé 30 ans pour faire 3 ans et demi d'espoirs. Il est resté sur place. Rien ne marche. Rien ne marche. Pendant 30 ans, on ne le voyait pas. 30, on ne le connaissait pas. Il a prêché seulement 12 ans. Après 12 ans, on ne l'a plus vu. Il était là. On ne comprend pas. C'est à 30 ans là. Ça a démarré. Et aujourd'hui, toute la terre, il a gagné toute la terre. Mais il a échoué pendant 30 ans. Quand il dit échec, ça veut dire quoi? On ne le connaissait pas, on ne le voyait pas. Mais il faisait quand même. Où il est parti, celui qui a prêché 12 ans, puis tout le monde l'a acclamé. Mais il n'a pas continué. Vous comprenez? C'est comme ça. Répétez la même chose. Produisez la même chose. Il y a un exploit derrière. Ça fait combien d'années on nous dit Jésus revient? Dans nos oreilles, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Des fois, on est fatigué. Des fois, quand tu es là comme ça, les gens t'envoient un message. Répentez-vous, changez vos cœurs. Jésus revient bientôt, ça fait 200 ans, 300 ans. Les gens sont morts. Les anciens, là, ils ont parlé de ça, ils sont morts. Ils sont en train de mourir. D'autres me disent, Jésus revient, il revient, il revient, il revient. Un matin, là, il va apparaître. Donc, quand Dieu te dit quelque chose, répète ça dans la prière. Ne te fatigue pas de voquer Dieu dans ce qu'il t'a dit. Ne change pas de vision, ne change pas de rêve, ne change pas d'appel, ne change pas de ministère, ne change pas de zèle. Non. C'est comme Dieu te convainc que celui-là, c'est ton mari. Quand tu le vois à tout moment là, il est dans problème. Même quand tu le regardes, mais il ne ressemble même pas à quelqu'un de normal. Où il est, mais tu dis, cueille-moi, il ne peut pas. Comment Dieu va faire même? Quand je le regarde là, il ne remplit pas les conditions. Et puis actuellement même là, il semble être surchargé. Hein. Wireless connection lost. Mais Dieu dit, c'est pour toi. Continue de prier. On n'a pas dit d'aller le voir pour dire que Dieu dit, tu es mon mari. Prie, prie, frappe, 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 frappe. Un matin, tu vas te rendre compte que ta prière en train d'ouvrir les portes, ouvrir les portes, ouvrir les portes. Le gars se présente, c'est ton mari. Dieu a parlé, Dieu a fait. Dieu dit ça, ce pays-là, c'est ton pays. Tu vas chercher visa, on t'échange. Une deuxième fois, on t'échange. Une troisième fois, non, tu dis non. Si c'est comme ça, là, je vais aller, j'ai parti au Maroc.
Dieu ne t'a pas dit d'aller au Maroc, puis il va t'envoyer quelque part. Il dit, je veux que tu rentres ici. Va, continue, 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 continue. Un matin, ça va s'ouvrir. Dieu te dit, voici là où j'ai dit que je vais t'amener. Va. Moïse, Dieu lui a dit, je vais faire enfant avec toi. Combien d'années? Moïse a marché avec Dieu pendant 24 ans. 24 ans qu'il a échoué. 24 ans. Tellement il a échoué dans vouloir essayer d'enceinter sa femme qu'il a échoué, que Sarah même est fatiguée. Le jour où l'ange est venu dire, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant, Sarah a regardé les anges, elle a dit, vraiment, vous êtes venus en retard. Hein? Maintenant que le corps de mon mari ne répond plus, on est un frère, c'est maintenant que vous dites que nous avons fait enfant. Là, là, il est mort. Il n'y a plus rien. 90 ans. Moi, j'ai 90 ans. Ça fait ménopauser double fois. Lui, là, il a 99 ans. On est devenus amis. Il n'y a plus rien. Là, je dis, l'année prochaine, à pareille époque, un enfant sortira. La Bible dit, pour que cela arrive, Dieu changea le nom d'Abraham à Abraham. Et de Sarah, Sarai en Sarah. Donc, quand Abraham se lève le matin comme ça, et puis voit, et puis dit, Sarah, avant elle était Sarai, la princesse, mais Sarah la mère, Abraham le père de la multitude. Donc, quand Sarah dit Abraham, on sent que quelque chose renaît en Abraham. Les cellules reviennent après la vie. Quand Sarah, Abraham dit Sarah, on voit que la vieillesse est en train de disparaître. Ménopause est en train de disparaître. À force de dire ça, de se redire ça, redire, redire, répéter, Sarah, Abraham, Sarah, Abraham, Sarah, Abraham, Sarah, Abraham. Ce qu'ils ont cherché 24 ans. En 9 mois. J'ai dit en 9 mois. Ce qu'ils ont cherché 24 ans. En 3 mois. Puisqu'ils vont accoucher l'enfant 9 mois après. En 3 mois. Ce qu'ils ont cherché 24 ans. À force de dire ce que Dieu a dit. Dieu a dit, l'année prochaine, Dieu a dit, l'année prochaine, Dieu a dit, Sarah, Abraham, Sarah, Abraham, Sarah, Abraham, Sarah, Abraham. Un matin, Isaac est rentré. À 90 ans et 99 ans, Abraham est rentré. Et Isaac est rentré. L'enfant est sorti. L'échec répété. Répétez les choses que Dieu vous a dit. C'est pourquoi la Bible dit, si la prophétie t'entend là, mais lis-la couramment. Écris-la et lis-la couramment. Dieu dit que je suis béni. Je marquerai ma génération. Je marcherai tant. Les signes sont là comme une malédiction. Mais je répète ce que Dieu m'a dit. Je récite ce que Dieu m'a dit. Je marche dans ce que Dieu m'a dit. Je proclame ce que Dieu m'a dit. Je dis que ce que Dieu a dit est vrai. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour moi. Et c'est Élie qui était à terre, qui était en train de prier pour que son serviteur voie. Mais moi, Jésus, à la croix de Golgotha, il a payé le prix pour moi pour que je voie. J'attends encore, je monte et je remonte. Je monte pour aller observer, voir si le signe doit s'accomplir. Même si ça n'accomplit pas, je continue encore de monter jusqu'à ce que je voie la main de Dieu sur ma vie. C'est alors que j'arrêterai. Tant que tu n'as pas vu la main de Dieu, le nuage est venu comme la main de Dieu. Tant que tu n'as pas vu la main de Dieu, ne t'arrête pas. Écoute-moi, enlève la main des hommes sur ta tête, enlève la main des hommes dans ta vie, enlève la main des gens dans ta vie. Écoute-moi, attends-toi la main de Dieu. Quand la main de l'homme vient prendre la place de Dieu dans ta vie, tu n'iras pas loin. Mais quand la main de Dieu prend sa place, tu vas loin. Shalom. C'était aujourd'hui le code de l'échec répété. N'aie pas peur. Certainement, derrière ces échecs se trouve un exploit. Et Dieu veut que tu aies l'esprit supérieur et que tu continues de frapper. Monte, remonte, va regarder. Là où on dit il n'y a rien, il y a une main qui va apparaître. Alors, tu verras la gloire de Dieu. Monte et remonte. Continue, remonte. Là où on dit il n'y a pas la main de Dieu, tu verras la main de Dieu. Une dernière chose que je voulais te dire, c'est le même Elkana qui allait avec Anne et Anne ne faisait pas d'enfant.
c'est le même Elkana. Mais la Bible dit que cette fois-ci, quand Anne, le ciel est ouvert sur Anne, Elkana a connu Anne. Anne a fait Samuel. Elkana a connu une deuxième fois Anne encore. Anne a fait les centuplés. Elle a fait cinq en même temps. Waouh! La Bible. Pourtant, c'était le même. N'aie pas peur. Le succès devant toi. Le témoignage devant toi. L'exploit devant toi. La gloire devant toi. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que sa faveur vous équipe. Tu ne mourras pas de ce mal, de cette pandémie. Parce que tu es un signe pour ta génération. Un signe pour ta famille. Et tu ne mourras pas. Dieu est avec toi. Pourquoi? Parce que ce qui paraît comme un échec va devenir un exploit. Bye bye. Et bonne journée. Nous nous retrouvons demain pour l'Esprit supérieur. Nous allons commencer avec le cas de Joseph. Dieu vous bénisse. Bye bye.